22 000 hectares de nature préservée. La forêt de Fontainebleau est le plus grand espace naturel d'Île-de-France. Mais favorisé par le réchauffement climatique, le domaine est en proie à la sécheresse et au départ de feu. Ici, 1500 m² de végétation ont brûlé. C'est une petite zone, mais qui est une zone compliquée parce que vous voyez, on est entouré de rochers. Le feu couve beaucoup dans le sol et puis ressort par grandes flammes et puis commence à attaquer les arbres. Donc ça nécessite effectivement d'apporter beaucoup d'eau sur des endroits où il est difficile d'amener de l'eau. 80 000 litres d'eau ont été nécessaires pour éteindre les flammes. La négligence des visiteurs est le principal facteur de ces sinistres. La plupart des feux que nous constatons sont dus à l'imprudence, à l'incivilité, donc à des bivouacs et à des cigarettes certainement lancées dans le milieu. Déploiement de camions-citernes, utilisation de drones thermiques, un important dispositif de prévention est mis en place durant l'été pour éviter tout départ d'incendie et pour permettre aux plus de 11 millions de visiteurs annuels de profiter au mieux de cet écrin de verdure.